Et les 6 actus du 9 juin 2023. Le Peugeot 2008 présentait des tarifs annoncés qui sont très élevés, à peine moins élevés que la nouvelle i308, alors que ce véhicule est quand même plus petit. Peugeot, ça va pas les tarifs hein, sur l'électrique. Hein. L'Espagne favorite pour accueillir la nouvelle Gigafactory de Tesla, apparemment. Bon, c'est la presse espagnole qui annonce ça. À prendre avec des pincettes, rien d'officiel. On va faire un suivi de ça. En tout cas, la France, bon. Pas sûr qu'il y ait une Gigafactory en France un jour, hein, quand même. Ou alors pas à court terme. Plutôt à moyen ou long terme. Un ex-employé de Tesla lance une action collective contre l'usine de Fremont pour racisme encore. Tesla incite ses fournisseurs chinois à s'installer au Mexique pour produire donc plus rapidement la fameuse Model 2 ou autre. Le nom. On ne sait pas ce qu'il va donner comme nom d'ailleurs à Musk encore. Il faudrait peut-être le dire un jour, Elon. Alors, GM adopte également le connecteur de Tesla vers la fin du CCS Combo aux États-Unis. Après Ford, GM, c'est deux grosses sociétés là. Hein. Bon, il y a peu de risques que ça se passe comme ça en Europe pour le coup, voire même aucun risque. Le CCS Combo est quand même dominateur. Et enfin, deuxième mesure de mon trajet, deux trajets en un, hein. La suite donc en gros. Avec toujours une conso qui a baissé hein, depuis la dernière fois, avec une température plus élevée. Et regardez, sur ce trajet, au bout de 10 minutes, 10 km, 4,2 km au 100, parce que la route avait tendance à descendre. Ce qui est incroyable. Bon, après, ça a remonté, évidemment. À demain pour la suite.